Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on est sur Watch Dog. On a réussi à sauver l'inspecteur, enfin l'inspectrice entre parenthèses, et donc on va devoir l'escorter en réalité. Elle va partir et nous, on va devoir récupérer des fichiers. Donc il faut qu'on fasse J'attends super votre attention. Voilà, la porte s'est fermée. ordre. Ok. Et donc moi, je vais devoir passer ici et récupérer tous les fichiers. Parce qu'il y a des fichiers qu'elle a perdus et je dois Aucun récupérer les doute, fichiers. cette opération a pour but de prélever des organes. Le clan Kelly découpe les parties qui l'intéressent, puis brûle le reste. Quelque chose me dit que Mary Kelly attend pas que ces gens meurent de cause naturelle. Ok, donc j'essaie de regarder. Mais quelle horreur! Ils ont plus de visage! Oh Bugs, tu peux en tirer quelque chose? Prenez une photo, que je fasse une recherche croisée sur différentes bases de données. Alors, vers le haut pour prendre une photo. Ok, d'accord. Ah, attends. Appareil photo carré. Ok, d'accord, voilà. Donc, pour prendre une photo, c'est... Hop. Non. Pour un selfie. Ok, donc là... Photographier, c'est quoi? Ok, il était noté dessus en plus. Donc ici, c'est bon. Devoir faire pareil. Donc, flèche du haut carré. Hop, 3. Négatif. On peut pas laisser le clan Kelly s'en sortir comme ça. C'est dégueulasse. Il faut les faire payer. Et Mary Kelly en priorité. Ok, il y a deux gars là. Je suis au regret de vous confirmer qu'il s'agit bel et bien d'Angel Ah. Lopez. Merde, Angel. Il connaissait les risques. Moi aussi, mais je pensais pas que DedSec se retrouverait mêlé à tout ça. Mary Kelly s'attaque aux plus vulnérables de Londres. Cette femme est un putain de monstre. L'éliminer, ça devrait être la priorité de DedSec. Maintenant, nous devons localiser les dossiers de Kathleen Lowe sur Mary Kelly et vérifier si mes hypothèses sont correctes. Mary fait-elle partie de Zero Day? Tiens, dans tes dents. Ok, donc là j'ai déglingué les deux. Je suis tranquille. Il faut que j'arrive ici. On va éviter de trop tirer en réalité. On va juste faire du furtif, on va dire. Ok, donc là on a récupéré les fichiers. Bien joué, vous avez trouvé les fichiers. Cela devrait plaire à l'inspecteur. Voilà. Maintenant, il s'agit de sortir d'ici avant de vous faire découper en morceaux. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Sans blague. Ok, donc là normalement on est censé sortir. Ok, donc là on est dehors, on va essayer de récupérer vite fait une DedSec, voiture, n'importe ici laquelle. Kathleen Lowe. Je tenais à vous dire merci. J'aurais pu finir cobaye dans un cours d'anatomie à l'heure qu'il est. Ou en petit tas de cendres. Bonne nouvelle, l'inspecteur Lowe a été escorté dans un refuge à proximité où ses blessures seront traitées. Tout ira bien pour moi. Je suis encore un peu étourdi à cause de ce qu'ils m'ont injecté. Et surtout parce que je réalise qu'on a collaboré. C'est réciproque, mais cette collaboration est le meilleur moyen d'empêcher Mary Kelly de faire ça à d'autres. Okay. Exactement. Vous avez une organisation, moi j'ai des infos, ainsi que le soutien de personnes influentes. Ce n'est qu'en unissant nos forces qu'on arrivera à la faire tomber. Mary Kelly n'est pas une criminelle comme les autres. Hé, Bugsy, il faut réunir tout le monde pour décider de ce qu'on va faire de ces fichiers. Je vais me connecter à l'inspecteur Lowe et préparer un briefing. Elle est belle en plus. Ok, donc là on va attendre, je vais pas la voler tout de suite, je vais attendre que il me donne le point où je dois aller. Où dit Marley Kelly? Ok, d'accord. On va attendre. C'est bon, le point je l'ai. Donc, ah, c'est peut-être tout au bout. Ça sera ici, donc on a à peu près combien? Est-ce qu'il y a une gare à côté? Non, il n'y a pas de gare. Donc je peux pas récupérer les gares, vous voyez, parce que c'est que dans les endroits où j'ai complètement tout débloqué que normalement je peux voir les gars. Ah non, peut-être qu'en zoomant. Ah non. J'ai une bêtise. Voilà, ok, c'est bon. Trajet rapide, on va pas prendre une voiture faire 1000 km, on va dire. Donc, voilà. Donc en réalité, non, il faut zoomer un petit peu plus pour pouvoir utiliser les métros. Ok. Donc maintenant, on va essayer de piquer une bagnole. Viens ici, toi. Il y a une recrue potentielle qui pourrait vous intéresser. Je vous envoie sa position. Mais non, c'est pas moi. Allez, ciao. Je vais l'écraser. Ok. Donc là, on retourne au QG. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. C'est parti. Ah
Donc là, c'est le chargement du QG. Donc ça va assez vite hein, quand même au niveau des chargements, ça va. L'inspecteur Lowe m'a contacté. Nous sommes prêts pour le briefing. On y va. Marie Kelly dirige le réseau criminel le plus puissant de Londres, le clan Kelly. Cela ne devrait pas être trop dur à retenir. Quand son père était aux commandes, faut dire que le clan payait pas de mine. Mais quand il est mort, ses ennemis ont commencé à disparaître. Ses amis aussi, sa famille. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Marie la sanguinaire. Très tôt, Marie s'est spécialisée dans la crypto-monnaie et a converti les Kelly au marché du crime en ligne. Trafic d'armes, blanchiment d'argent, drogue. C'est beaucoup plus simple de faire du business avec de la monnaie virtuelle. À elle seule, Marie a modernisé le crime organisé londonien. Et c'est peu de le dire. Actuellement, elle se prétend intouchable. Les fichiers que vous avez récupérés parlent d'eux-mêmes. Darla Covington, 19 ans. Sacha Haddad, 28 ans. Radek Stopkevich, 24 ans. Tous disparus. C'est difficile de s'entourer de gens compétents en ce moment, n'est-ce pas, mon trésor? La plupart manquent de détermination, pas comme vous, parce qu'ils se sentent inutiles, n'est-ce pas, dans un monde aussi cruel que le nôtre, un monde qui les opprime. Okay. Ah, c'est abject. C'est bien que vous ayez un but. Bon, allez, moi j'y vais. On n'en a pas terminé. Je suis ici. Par pure politesse. Oh. Et présenter mes condoléances aux familles. C'est terrible de perdre un être cher. Ravi de vous avoir rencontré. C'est elle qui organise les crimes et c'est elle qui fait condoléances. Ok. Comme vous le voyez, il est impossible de mener un interrogatoire. Mais je connais un endroit où elle se sent à l'aise pour parler. La résidence Sandstone. Selon l'inspecteur Lowe, un mouchard de la police placé au QG des Kelly pourrait contenir les preuves dont elle a besoin pour faire accuser Marie. Sandstone est le centre de leurs opérations. Je sais que les données sur ce mouchard permettront de la faire tomber. Trouvez-le-moi, et je vous donne ma parole qu'elle finira en tôle. Je vous envoie les coordonnées sur votre optique. Ok. Je vais devoir aller récupérer. Bon, ça, à mon avis, ça va pas être si facile que ça. Inspecteur Lowe, ici Sabine. Je me demande comment vous pouvez encore imaginer traîner Marie Kelly en justice sans renfort. Même avant qu'Albion ne s'approprie la surveillance, vous n'y êtes pas parvenu, et elle continue à traiter des humains comme du bétail. Je devais obéir aux règles du système. Bien sûr qu'il est corrompu, je le savais d'ailleurs. Mais j'ignorais à quel point. Je pensais que des preuves assez solides ne pourraient pas être ignorées. Ouais, et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous pensez que ce sera différent cette fois? Cette fois, je transmettrai l'affaire directement à un contact au bureau du procureur général. Quelqu'un d'honnête, viscéralement opposé au crime organisé et tout particulièrement à Marie Kelly. Écoutez, nos méthodes sont peut-être différentes, mais je veux aider ces gens autant que vous. Très bien, mais quoi qu'il arrive, il est hors de question de laisser Marie filer une fois de plus. C'est pas vraiment dans les habitudes de DedSec. Allez, direction Sandstone. C'est parti. Là, on va essayer. Bon, on laisse tomber la voiture, hein. On va prendre le métro là. On va faire le plus près. Après, c'est pas mal quand même qu'il y ait un système de trajet comme ça parce qu'à un moment, c'est super long. Il y a combien de mètres pour aller là-bas, on va dire. Ouais, il y a 100 mètres, on va pouvoir y aller à pied, hein. Ok, c'est ici. Donc là, on peut pas rentrer. Alors, on va regarder. On peut pas rentrer par ici. Est-ce qu'on peut passer peut-être sur le côté, non?
Bingo. Non. La sécurité ici est à la pointe de la technologie, quasi impénétrable, à moins bien sûr de faire entrer un drone par la fenêtre qu'une andouille a laissée ouverte. Contrôler. L'appareil d'enregistrement est dans sa salle de sécurité. Pour y parvenir, il suffira simplement d'arpenter quelques conduits d'aération. Putain, c'est quoi ? Elle fait de ces gens ses serviteurs. Et contre leur gré. Déjà que c'est horrible. Mais c'est mille fois pire quand on pense qu'ils finissent comme donneurs d'organes forcés. Ok, donc là j'essaie de passer dans les conduits. Voilà. Voyons quels enregistrements on a d'elle. Regardez cet endroit. Voilà ce que donne l'argent sale. La famille Kelly exploite la misère des gens depuis tellement longtemps. Toute cette merde déborde de son manoir. Donc vous êtes déjà venu ici. C'est comme ça que vous avez terminé dans la cave de l'incinérateur de Southwark. On avait besoin de preuves irréfutables. C'est pourquoi quelqu'un devait venir et les mettre sur écoute. Je n'allais pas imposer cette tâche à qui que ce soit. Vous avez vu comment Mary Kelly se sert des personnes qu'elle kidnappe au CAE. Et l'uniforme de ces hommes n'est pas difficile à reproduire, donc oui, j'y suis allée. Ce que j'ignorais par contre, c'est qu'elle avait des infos sur notre enquête. Sur toute mon équipe. Je pensais qu'agir en solo empêcherait les fuites, mais elle savait quand même qu'on était sur le point d'arriver. Elle m'a torturée pour connaître les membres de mon équipe. Elle a voulu me briser. Mais un flic ne trahit jamais les siens. Le plus drôle, c'est qu'elle connaissait déjà toute l'unité. Elle les a tous fait descendre. Quel psychopathe. Ouais, au moins ils vous ont pas implanté un de leurs trucs là. Perso, je préférerais plutôt crever. Donc j'ai failli terminer en pièces détachées. Encore une raison de vouloir m'attaquer à elle. Mais lui coller une balle dans le crâne ne serait pas suffisant. Mes équipiers sont morts pour la traîner en justice. Je dois leur faire honneur. Alors, j'ai réussi à ramener l'électricité là. Ah, moi que je dois le ramener dans les deux sens. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est ce qui part. Ok, d'accord. Ça, c'est ce qui part. Ah, donc, il faut que j'arrive à faire dans l'autre sens. Ok, on va regarder alors. Ok, donc lui, il va partir comme ça. J'essaie de regarder s'il est possible de faire tourner tout ça. Alors, là. Ok, ça va être plus simple comme ça, je crois. Le problème, c'est qu'il faut que je regarde à tout prix où ça doit arriver. Parce que là, si je fais ça, ça va arriver de là. Donc là, ça doit arriver de là.
Ah, voilà. J'essaie de regarder là. Hop. C'est compliqué, hein. Oh merde, tu fais niquer mon truc. Donc, voilà, on va regarder. Là, normalement, je suis OK. J'ai réussi à faire tourner les deux là. J'ai réussi à faire passer là, mais j'arrive pas à faire. Il faut que j'arrive à faire venir un ici. Donc lui, il va soit là-dedans, 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 là-dedans. Il passe là-dedans, il passe là-dedans, et il va là. Voilà, doucement, doucement, doucement. Il faut à tout prix que j'arrive à trouver comment faire marcher le là. Voilà. Descends. Voilà. Donc là, pivoter. Voilà. Ok, voilà. Voilà. Ça devrait être bon, non? Non. Donc non, ici je suis pas bon. Donc j'en ai un là. Il me faut quelque chose qui rentre ici. Donc on va refaire le tout à l'envers. Voilà. Donc je veux que ça rentre là-dedans. Donc il faut que ça passe par là. Voilà. Voilà. Là, je peux pirater tranquillement. C'est parti. Ouais, il fallait vraiment jouer avec tous les systèmes de lumière et tout, hein. Donc là, je peux rien faire, je peux pas bouger. Ouf. Non, mais dans quel état tu es? Regarde ce que tu as fait, et après tout ce que j'ai fait pour toi. Nous sommes des esclaves. Nous le sommes tous. Je vous en prie, retirez-moi ça et laissez-moi partir. Et retourner à ta petite vie pourrie, dans ton trou paumé. Te faire exploiter par un boulot minable et vivoter comme un parasite sur le dos de l'État. Eh ben non, mon trésor. Cette micropuce est effrayante, je sais, mais je dois bien surveiller ma marchandise, n'est-ce pas? Et ça, ce couteau, ça te sert à rien non plus. Si tu te charcutes, tu me fais perdre mes bénéfices. Je peux plus vivre comme ça. Ah ça, pour une fois, tu as raison. Mais ça va aller, mon ange, parce que j'ai d'autres projets pour toi. Okay. Oh, tout le monde retient la leçon maintenant, c'est bien ça, et surtout faites passer le message. Vous savez quoi faire de la fille, et vous allez emmener ces deux-là et me nettoyer tous les autres pour la vente de ce soir. Tout de suite, madame. Au fait, les investisseurs étrangers sont déjà là et les drones ont été programmés. Les invitations et toutes les coordonnées peuvent être envoyées aux invités. Oh, mais c'est qui prendrait des initiatives, le petit Peter. Les initiatives, ça peut être dangereux. Ça peut porter à confusion. Ok. On n'est pas aidés.
a failli charcuter. C'est dingue. Comment Marie a pu se procurer ce genre de technologie? Il faut vraiment avoir l'esprit tordu pour inventer des micro-puces tueuses. Un esprit tordu, certes, mais néanmoins génial. Le profil parfait pour un groupe comme Zero Day, n'est-ce pas? Ses affiliations sont secondaires, Bagley. Elle a réduit tous ces gens en esclavage. Et on dirait aussi qu'elle les vend. Bordel, c'est monstrueux. Et franchement dégueu. C'est donc à ça que sert la micropuce. Ils savent que s'ils font un seul pas de travers, on les met en pièces. Littéralement. Dead sec. Nous devons interrompre cette vente d'esclaves. Récupérez toutes les informations que vous pourrez trouver. Le lieu sera indiqué sur les invitations. Elle ne les a pas encore envoyées, mais quand elle le fera... Bagley, surveille les réseaux de drones. Fais-nous signe quand Marie enverra sa flotte. Pour l'instant, il suffit d'être patient. Je vous tiens au courant si j'entends quoi que ce soit qui puisse vous intéresser. Merci, Deadsec. Ok, donc là, on va attendre un peu. Étant donné que nous sommes en train d'attendre que Marie Kelly nous invite cordialement à sa petite fête décadente, nous pouvons nous concentrer sur l'essentiel, résoudre le mystère de Zero Day. Qui sont-ils et pourquoi ont-ils fait porter le chapeau à Deadsec pour l'attentat? Bagley, qu'est-ce que t'as pour moi? Merci de me le demander. Aujourd'hui, le grand commissaire Bagley a deux pistes pour ses fidèles acolytes. Évidemment, il faut enquêter sur Albion, mais j'ai une autre piste à vous mettre sous la dent, plus inhabituelle. Il y a ce groupe d'activistes sur le Dark Web, les 404. Mais ils ne font pas ça juste pour le lol, n'est-ce pas? Ils militent pour une refonte brutale de la société par tous les moyens nécessaires. Cela vous semble familier? Tellement de choix. Je vous marque les deux sur votre optique. Ok, donc on attend. Il va me le mettre, je vais pouvoir y aller. Ex-agent de police trouvé. Je vous l'indique sur votre carte. Militaire retraité avec un mur. Ok, d'accord. Donc, ici. Donc, je vais devoir passer par lui en premier. Alors, est-ce qu'on peut pas aller plus rapidement? Non, ici, non. On va devoir y aller en voiture. Allez, on y va. Ça va là, c'est rapide la voiture là, donc on va y arriver assez vite. Oh. Oh. Ça va, elle va assez rapide. Il reste plus que 300 mètres déjà. Oh. Parti, hop hop, non, je... oh, ouf, j'en ai tapé un. Peur. Quoi? Ah, ça, la coupe est pleine. Hein? Quoi? Bonjour. Tu sais ce qui est vraiment dégueulasse? Si tu t'arrêtes pour me taper la discute, ils vont te ficher, mais on peut pas accepter ça. Seriez-vous membre de Deadsec par hasard? Parce que j'ai des informations qui devraient vous plaire. Continue. Il y a quelques jours, 300 de mes collègues et moi-même avons été remplacés par notre employeur. Putain, je suis désolé, c'est affreux. Par chance, je suis retombé sur mes pieds, mais ces licenciements cachent quelque chose de louche. Quelle entreprise dispose des ressources suffisantes pour remplacer autant d'employés aussi vite? C'est incohérent. Ok, ok, ok. Donc, tu veux que Deadsec enquête sur votre remplacement, c'est ça? Précisément. Je suis toujours reconnaissante. Aidez-moi et je vous le rendrai du mieux que je peux. Ok. Une grosse entreprise high-tech avec des problèmes d'éthique? On n'a jamais vu ça. Mais bon, voyons ce qui se trame. Compte sur moi. Je vais voir ce que je trouve. Là, on va aller. C'est super loin. Le plus près, c'est ici. Allez, on y va là-bas. On va faire ça directement.
Je vais choper une voiture. Oh, moi que je pourrais peut-être appeler ma moto pour compter là. Allez. L'avantage des motos, c'est qu'on peut passer entre les deux. Oh là. Oh, je l'ai dégommé. Allez. Chez l'ancien employeur de notre contact. Et mis à part quelques gardes lourdement armés, c'est une vraie ville fantôme. Intéressant. Je ne pense pas que les fameux remplaçants soient sur place. Menez l'enquête et tâchez d'établir où ils se trouvent. Ok, ils sont en train de manifester. Comment je peux faire pour passer? C'est ça, Franck. Je peux pas monter au-dessus. Non. Ah, moi, je peux changer de paire. Ah, si, je peux peut-être prendre. Prendre un autre agent. On va essayer de faire ça. Hop. Mission, données, boutique. Ça, c'est la boutique, les données, les équipes. On peut prendre ce personnage là. Ok, modifier, non. Ouais. Alors, comment je fais pour sélectionner le personnage? Donc, là, si je veux modifier, modifier. Voir sur la carte. Ah, voir sur la carte. Changer d'agent. On va peut-être prendre celui-là, l'agent, il va pouvoir passer au-dessus. Et après, je reprendrai le même agent. Ici Bagley, comment ça s'est passé la dernière fois? Oh, tu sais, j'ai complètement charmé une nouvelle recrue. Prêt? Ok, donc ici, on va devoir aller retourner à la carte. Et revenir où j'étais tout à l'heure. C'est parti. On va aller directement avec le drone, je crois, ça sera plus simple. On va sortir du métro. On va se repasser.
J'ai pas trop compris, est-ce que c'est la même mission, les notes? On va laisser ça là. Oh, j'ai pas trop compris là. On peut rentrer là, non. Enquêter sur mon remplacement. Vous arrivez chez l'ancien employeur de notre contact. Et mis à part quelques gardes lourdement armés, c'est une vraie ville fantôme. Cool. Je ne pense pas que les fameux remplaçants soient sur place. Menez l'enquête et tâchez d'établir où ils se trouvent. Ok, voilà, bon, boum. J'arrive pas à voir où je rentre. Alors, est-ce que je peux ouvrir quelque chose là? Non. Ah, c'est bizarre parce qu'ils me disent que c'est ici. Non. Ouais. C'est là-dedans. Peut-être ici en dessous, ok. Peut-être que je peux aller encore ici, ouais, ok. Ben non, je peux même pas passer par là. Ah, peut-être ici. Ok, ouais, je suis carrément passé autre côté. Ok, donc j'aurais pu passer par là en fait. Ça s'appelle se faire dégommer, non? Ok. Espionnage industriel depuis cet endroit. C'est bon. Donc là, je me cache. On sait jamais. Parce qu'il y a des gens là-bas. Ok, il y a un gars juste à côté de moi. Je savais même pas. On dirait un ouvrier, donc ça va. C'est bon, voilà. J'envoie les données là. Mettez-vous en lieu sûr le temps que j'analyse les données. Alors, quittez la zone, ok.
En réalité, il y a plusieurs options pour rentrer. On peut rentrer par là, on peut rentrer par d'autres côtés. Enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup plus d'options. Max, on a quoi alors? Eh bien, j'ai trouvé ce qui a remplacé notre contact. Une intelligence artificielle. Et complètement miteuse en plus. À des années-lumière de la mienne, d'intelligence. Elle pourrait peut-être remplacer quelques millions d'humains, mais guère plus. Oh merde. Oh, ça doit faire beaucoup de votre point de vue, certes. Si vous voulez, allons la détruire avant qu'elle ne mette d'autres humains au chômage. Bah ben oui, pourquoi pas. File-moi ses coordonnées. C'est mon pote, je vais te recruter. Ok, on va essayer de voir si on peut le recruter. Oh, j'ai tapé dans mon casque. Allez, rejoins la résistance, je sais que t'en as envie. Et crois-moi, on en devient vraiment fiers. Ah merde, d'être sec. Vous pouvez peut-être m'aider. Je suis pas bien en ce moment. On est prêt à tout. C'est quoi l'histoire? J'ai convaincu mon pote de rejoindre un groupe d'activistes. On allait aux manifs, aux réunions. On se croyait intouchables. Mais la dernière manif a vraiment mal tourné. Mon pote s'est fait tabasser par Albion et embarqué dans une ambulance. L'histoire officielle, c'est qu'il est décédé. Mais le truc, c'est qu'il laisse personne voir sa dépouille. Personne. Non, mais c'est horrible. Y a un truc pas net. Je veux juste des réponses. Aide-moi à découvrir ce qui s'est passé et je t'en vaudrai ça. C'est un truc pour les dead sex, ça. On s'en occupe. Ok, donc je vais reprendre mon personnage de base. Qu'on va attendre. Voilà. Donc là, on va faire hop, 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 équipe. On va reprendre lui. Le voir sur la carte. Bien sûr, changer. Je reprends mon agent. Pardon. Ok, donc maintenant on va devoir aller sur la carte. Alors mission, on a deux missions. Faire soit la recrue. Ok, d'accord. Non, c'est ça que je voulais faire. Et la map. Donc le plus près c'est ici. Est-ce que c'est un métro plus près? Non. C'est ça que je voulais faire, hop. On va essayer de pas prendre une voiture, n'importe laquelle. Là, je vois que t'es à l'arrêt. Allez, hop. En réalité, vous voyez, quand il est marqué un... Je viens de comprendre que quand il est noté un A sur le pare-brise, c'est que je roule en automatique. Vous voyez, car comme là, il n'y a pas le A. Et si maintenant, je roule en automatique, alors je sais plus comment on fait, mais si on arrive à rouler en automatique, affiche, voilà. Pilote automatique roi, et ben regardez, le A, normalement, va s'allumer. Si le A s'allume, ça veut dire que la voiture, elle est en pilote automatique. Donc là, ça veut dire que là, ça me ramène à ma destination. Si je veux, par exemple, expliquer quelque chose, regardez, hop, la voiture, ça va tout seul. Et dès que j'appuie sur croix, hop, ça l'enlève. Donc, ça veut dire, dès qu'on voit un A sur le pare-brise, il n'y a personne dans la voiture. Ok, d'accord. Hop, j'ai déglingué des poteaux. Avant, une claque en main. J'avais même ma voiture. Alors, on est parti. On peut tourner ici, hop. Voilà. Et on est arrivé. Ça va être ici. Les codes sources de notre IA voleuse d'emploi sont conservés dans une caisse sur le site. Non, oh, j'adore casser des trucs. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'on regarde si on arrive à rentrer dans ce bâtiment. Il faut pas qu'on se fasse choper. C'est ça. Agent de sécurité. Ok, d'accord. Oh, 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 oh. On va essayer un peu le poursuivre. Désolé. Voilà. Donc là, on va essayer de rentrer là-bas. À quoi ça sert, il me semble ça. Ah merde, ok. Tu vas te battre? Oh!
Après, l'avantage, c'est que s'il veut jouer avec son masque, enfin, dès que je joue à me battre à main nue, en vérité, ils rangent leurs armes. Donc, c'est pas mal. Voilà. C'est-à-dire, ils rangent les armes. Ça, c'est pas mal, par contre. Si on n'a pas trop envie de jouer avec des armes, ben, on est tranquille. Donc là, on essaie de monter en haut. On verra bien ce qu'il y a en haut. Est-ce que j'ai besoin de monter en haut? On va aller voir là-bas. Ouais, déjà, j'ai un appareil là à pirater. Donc là, on est OK. Alors, je suis en train de chercher ce que je dois faire. Ouvrir la porte. Porte d'accès. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Vous avez rien? Non. Ok, là c'est ok, ça va ok. Essayez de monter en haut là, quoi. Que je peux choper quelque chose. Les regroupements de plus de 5 êtres humains sont interdits. Oh, je l'ai pas vu. Ok, voilà, je l'ai dégommé. Albion assurera votre protection, quel qu'en soit le prix. Balayez la zone. Drone, lance le protocole de recherche. Drone, fouille le secteur. Ok. Je voulais pas trop jouer à tirer. Mais... Alors cherche après la puce. Ah bah là voilà. Télécharge la clé. Ok, donc là non. C'est ici. L'heure est venue de ravager la propriété d'autrui. Donc détruit. Ah. Meurtre de l'IA accompli. Allez vous mettre en lieu sûr. Je vais transmettre la bonne nouvelle à notre ami. Ok, donc là, je trouve que j'arrive à me barrer. Ok. Alors devine, celui qui te remplace, c'est une IA. Plutôt cool, non? Enfin, non, c'est moche pour toi, mais c'est quand même cool. Oh non, c'est pas vrai! C'est dingue, hein? En gros, ils voulaient faire disparaître les développeurs et tout, mais DedSec les en a empêchés. C'est bon. Merci beaucoup. Ok. Tu veux te battre? Pas contre moi, hein. En général, pour DedSec. Pilotage automatique désactivé. C'est d'accord. Ok, là j'ai mis en pilotage auto. Ah, il y a un autre. Pilotage automatique. Oups. Je sais pas, ça m'a mis un chargement. Et en plus, j'avais une recrue juste là à côté. Je voulais récupérer la recrue, mais ça m'a fait un chargement. Ok. Du coup, on va programmer ta session pour le tatou facial de DedSec obligatoire. Je déconne. Bienvenue dans le gang. Formidable! Je ne suis pas encore prête à partir à l'abattoir. Allons-y! Trop bien. Ok.
Donc maintenant, je peux sélectionner aussi cette personne. Regarde. Agent. Agent. Okay. Bon, on va quand même récupérer mon agent principal. Tech équipe. Voilà. Je veux avoir lui. Donne-le-moi sur la map. Je vais reprendre mon agent. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu un chargement en fait. C'est parce que j'ai récupéré. Au milieu de quelque chose d'important, l'heure a sonné. Ouais. Je suis justement, il doit être ici quelque part. Voilà. Allez, on y va. Bonjour. Tu sais ce qui est vraiment dégueulasse? Si tu t'arrêtes pour me taper la discute, ils vont te ficher. Mais on peut pas accepter ça. Hé, hey, me dis pas que t'es avec DeadSec. T'arrives pile au bon moment. Le gangster pour qui je travaillais s'est foutu de moi. Faut le faire payer maintenant. Tu te trompes complètement sur nous. On n'est pas des mercenaires. Attends, je t'explique depuis le début. Ok. Avant, je piquais des bagnoles pour un mec. J'étais super doué. Mon dernier job, c'était une caisse de luxe. Ça a mal tourné. Le boss m'a laissé crever sur place et il s'est tiré avec la bagnole. J'ai failli me faire buter pour une voiture. Et ce bouffon, il l'a toujours, tu vois? Je veux que tu lui prennes. Aide-moi et je te revaudrai ça. Promis, je le fais. Ça devrait être amusant. Ok, bon, bah on va aller voler la voiture. Oh, on va prendre la moto là. Notre ami nous a envoyé l'endroit où se trouve la voiture. Je vous envoie ça tout de suite. Allez, envoie. Pour la dernière mission d'aujourd'hui. Voilà, carte. Oh, elle est loin. Elle est loin. Heureusement que je suis en moto pour pouvoir aller assez vite rapidement. Elle est loin, mais comme j'ai pas été dans la ville, je peux pas me téléporter en fait. Je peux pas prendre le métro, voilà. Oh. Elle m'a débloqué. Hein. T'as craqué ou quoi toi? On approche des coordonnées de la cible, à vous. Je t'ai craqué ou quoi? Allez, bouge. T'as craqué ou quoi toi? Il m'a dégommé en plus. Allez, coucou lui. Centrale, j'ai perdu la cible. Ah, comment a-t-il pu passer ce barrage? Allez, on y va. J'ai pas trop compris pourquoi il m'a coupé la route, il m'a déglingué alors que j'étais même pas recherché. C'est ça que j'ai pas compris. 800 mètres, bon ça va. Centrale, lancez un avis de recherche. La cible a disparu. Donc vous voyez qu'il y a un personnage vert aussi, là c'est une recrue. Donc de temps en temps, il faut faire des vraies missions et de temps en temps, il faut faire des missions de recrue. En fait. J'ai appuyé trop fort. Non. Ok. Donc il faut qu'on arrive à voler la voiture ici. La voiture devrait être sur les lieux. Essayez de vous en sortir en un seul morceau. Facile, je m'en occupe. Ça doit être celle-ci. Elle est parfaite pour compenser un manque de virilité. Ok, d'accord. Donc est-ce que je peux passer par là? Oui. J'étais trop vite là. C'est bon, j'en ai marre là. Bim, t'es déjà mort. C'est parti, c'est bon. Tu vas mourir. Ah là, je vais mourir. J'aurais pas dû faire ça comme ça. Oh là là là. Oh oh oh. Agent grièvement blessé. Ok, d'accord. Donc j'aurais dû rentrer, mais un petit peu plus discret, on va dire. Bon, lui est blessé. Alors comment ça marche? Est-ce que je peux prendre lui? Je peux prendre. Eh, oh. Vas-y, on va choisir le chien. Changer un petit peu. Il m'a regardé, genre je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas qu'est-ce que je fais là. Bon,
Votre camarade n'a pas pu finir son opération et devra sans doute en subir une. Merde. Si ça m'arrive un jour que je me réveille pas, promets-moi de me débrancher. Ça doit être celle-ci. Elle est parfaite pour compenser un manque de virilité. Si tu sais ce qui est bon pour toi, bouge plus. La voiture, elle est là. Ok, d'accord. Il faut que j'arrive. Hein. Hop, la caméra. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour faire exploser ou quoi? Non, non, c'est mort peut-être. Vas-y, attends. C'est pas ça. Ok. Là-bas, il y a une plaque. Là, il n'y a rien du tout. Ok. Comment je peux faire pour l'appeler? Ah, ok, d'accord. Ah ouais, le problème, c'est qu'il faut que je regarde où est-ce que je dois réactiver le... Ah, ok, je dois activer là-bas. Une fois que j'aurai activé là-bas, ça devrait être bon. Le problème, c'est que j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un qui va là-bas. Oh là, sa vie, elle est déjà abîmée. Il n'y a personne qui va aller là-bas, je crois. Donc ici j'ai un gars. Pas grave. Oh, piraté. Ok. Et maintenant? Tu kiffes, hein? Allez, prochaine étape, tu me balances ça dans la Tamise. Pas si vite. Vraiment? Oh, t'as cru que tu pouvais la garder? Ah non, personne va la voir. Pas après ce qui s'est passé. Plonger la voiture dans la Tamise, c'est le fuck you ultime, quoi. Donc c'est où que je dois la jeter? C'est-à-dire, entre parenthèses, ça veut que je la fous dans l'eau. Ah, ouais, c'est ça. C'est un ami. J'ai le véhicule. Et maintenant? Tu kiffes, hein? Allez, prochaine étape, tu me balances ça dans la Tamise. Pas si vite. Vraiment? Oh, t'as cru que tu pouvais la garder? Ah non, personne va la voir. Pas après ce qui s'est passé. Plonger la voiture dans la Tamise, c'est le fuck you ultime, quoi. Je me suis occupé de ce truc pour toi. Je te revaudrais okay, ça. Ok, donc c'est bon. Sérieux. On a réussi à voler la voiture. Je cherche des combattants. Et t'as l'air d'avoir la rage. Tu veux peut-être te défouler? Allez, je suis prête. Recrutement terminé. Ok. Donc on est bon. Ah ouais, c'est pour ça tout à l'heure que j'ai appuyé sur carré pour prendre le personnage. Ah, j'avais... Oh, non, non, non. Votre complice a l'air de s'être fait bien amocher et se retrouve à l'hôpital. Vous ne vous reverrez plus pendant quelques temps. Si vous avez un peu de jugeote, vous songerez... à recruter un infirmier dans l'équipe. C'est un excellent moyen de raccourcir les séjours à l'hôpital et de remettre votre partenaire sur pied.
Ok, donc là on va recruter. Bonjour. C'était vraiment très agréable. Effectivement, elle n'a pas l'air nette. À en croire son activité en ligne, elle a cherché à pirater le réseau du National Health Service. Merde, le NHS a déjà assez de mal comme ça. Ils ont vraiment pas besoin que des hackers viennent en rajouter une couche. C'est vrai, dites donc. Et si elle avait introduit un code facile à effacer, ou ouvert une backdoor facile à fermer, sapristi, il me faudra plusieurs secondes pour régler ça. Allez, connectez-moi à un serveur d'hôpital que je m'en occupe. Je m'en occupe. Ouais. Donc là, je vois Alice. Allez. Pardon. C'est tout à fait le contraire de ce qu'aurait voulu notre candidate. Tant pis. Bah alors, c'était quoi qu'il fallait faire? Ah, c'est barré. Merde, j'ai plus de mission maintenant. Prof de tir. Ok, bon, bah c'est pas grave, on va arrêter la vidéo, juste ici, on va continuer, on a 56 minutes, donc c'est à peu près en une heure. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, il y en a même qui sont carrément abonnés au moment où j'étais en train de jouer. Donc normalement maintenant, j'ai mis une notification quand je joue, si vous vous abonnez, votre nom s'affiche directement sur ma vidéo. Donc, mais après ça... Je ne l'ai pas dit en vidéo parce que tout le monde va le faire justement pour avoir son nom dans les vidéos. Mais si vous n'êtes pas en privé, attention, si vous n'êtes pas en privé, ça s'affiche directement sur la vidéo. Donc allez, ciao, ciao, c'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.